Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde ce soir pour cette édition de l'information de ce mercredi 6 novembre 2019. Édition que nous ouvrons donc par l'actualité du jour constituant le dossier de la rédaction. Il s'agit de l'an 37 de l'accession du président de la République Paul Biya à la magistrature suprême. L'on se souvient que c'était en 6 novembre 1982 que le président actuel, deuxième chef de l'État du Cameroun, accédait à cette haute fonction. Rappel historique avec vous, Zoubel Apollinaire Mbon. Le 6 novembre 1982, Paul Biya preste serment comme deuxième président de la République du Cameroun. Il hérite de ce poste de son prédécesseur Amadou Ahidjo, qui deux jours auparavant, le 4 novembre plus précisément, a annoncé sa démission pour des raisons de santé. À 49 ans, Paul Biya, alors premier ministre, prend les commandes d'une république qu'il connaissait déjà bien pour y avoir travaillé dans plusieurs administrations. Dès son assermentation, il nomme Belobouba Maïgari au poste de premier ministre et participe ainsi à l'équilibre ethnique qui commençait déjà à se fragiliser. Par la suite, ce dernier pose un acte fort lors d'un remaniement ministériel en écartant le gouvernement proche de Amadou Ahidjo. Les premières années de sa gouvernance ne seront pas de tout repos. Le 6 avril 1984, une tentative de putsch est orchestrée, mais échoue de justesse grâce à l'armée camerounaise. Paul Biya se sert de cette crise pour affermir son emprise au gouvernement. Et depuis 1982, il règne en juste maître sur l'État du Cameroun et les Camerounais dont il a conquis les cœurs continuer à lui faire confiance au fil des jours. Le 6 novembre 1982 reste donc une date mémorable qui aura permis au Cameroun de prendre un tournant décisif de sa vie politique. Nous restons dans le cadre de ce dossier consacré à l'an 37 de l'accession à la magistrature suprême du président de la République Paul Biya. Il faut dire que cela fait donc très exactement 37 ans qu'il trône à la tête de l'État du Cameroun. Le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a pourtant placé ses multiples mandatures sous le signe de l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout la stabilité du pays. Les précisions de Frédéric Moutamé. À sa prise de fonction, le 6 novembre 1982, le chef de l'État du Cameroun, à peine entré en fonction, arrive avec un concept nouveau qui sous-tend d'ailleurs son programme pour la société camerounaise, pour le libéralisme communautaire. Un projet de société qui prenait en compte tous les aspects de la société, la politique, l'éducation, la santé, le sport, bref, tout ce qui concourt à l'amélioration du cadre de vie du Camerounais lambda. 37 ans après sa prise de fonction à la magistrature suprême, il est reconnu à Paul Biya d'être le bâtisseur d'une société démocratique au Cameroun à travers l'ouverture menée durant les années de braise de 1990 à 1992. Le président national du RDPC aura conduit tambour battant les Camerounais de tous les bords aux élections libres et transparentes. Il aura également, à travers la constitution de 1996, entrepris la mise en place de plusieurs nouvelles institutions, notamment le Sénat, la Cour constitutionnelle et surtout l'entrée en vigueur du processus de décentralisation qui attend désormais d'être accéléré et donc d'être profitable aux populations. Sur le plan santé, le champion du RDPC a permis la construction de plusieurs structures hospitalières au niveau national, régional, départemental et d'arrondissement. Il aura également implémenté de nouvelles politiques de prise en charge sanitaire, entre autres la gratuité du paludisme et de bien d'autres maladies. Au niveau de l'éducation, le taux d'alphabétisation est passé à 80%. 5 471 écoles maternelles ont été construites, 14 721 écoles primaires, 8 universités d'État et soit plus de 500 000 étudiants sur l'ensemble du pays. En termes d'emploi, de milliers de Camerounais ont été recrutés à la fonction publique, parfois à travers des recrutements spéciaux, tels l'enrôlement de 25 000 jeunes Camerounais, de 1000 autres enseignants, soit de nombreux emplois créés pour lutter contre le chômage des jeunes. Au niveau sportif, de nombreux lauriers sont remportés par les lions indomptables toutes catégories confondues, des stades sont en construction, 4 modernes, un palais de sport, un maître à l'actif du père du renouveau, qui sans doute n'entend pas s'arrêter en si bon chemin,
car depuis le 6 novembre 2018, il a engagé sa 37e année à la magistrature suprême pour un nouveau mandat de 7 ans, considéré comme étant le mandat des grandes opportunités. Reste également à décrypter ce mandat qui s'ouvre à peine. Il faut dire à votre suite, Frédéric Moutomet, que l'an 37 de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, célébré ce mercredi 6 novembre 2019, coïncide avec un autre événement heureux. Il s'agit de la première année de son septennat. Paul Biya avait été réélu au terme de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 et avait alors prêté serment. C'était un mardi 6 novembre 2018. Pratiquement 365 jours plus tard, quel bilan peut-on retenir de cette première année d'un septennat qu'il avait alors placé sous le signe des grandes opportunités? Tentative de réponse dans cet élément. Mardi 6 novembre 2018, Paul Biya, réélu au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, avec plus de 71% des suffrages exprimés, est invité à prêter serment devant le peuple camerounais à l'hémicycle d'Ongoa-Ekele, le siège de l'Assemblée nationale du Cameroun, bondé de monde. I do so swear. Débute alors un mandat que Paul Biya Barthélémy Bivondo place sous le signe du septennat des grandes opportunités. 6 novembre 2019, cela fait donc un an que Paul Biya trône à la tête de la plus haute administration camerounaise. 365 jours qui n'auront pas été un long fleuve tranquille sur le plan politico-administratif, économique et sécuritaire. Malgré un budget ambitieux de 4 850,5 milliards de francs CFA qui a connu une hausse de 361,5 milliards de francs CFA, s'adossant sur une conjoncture nationale et internationale plus ou moins favorable au Cameroun, les projets structurants ont connu une certaine accélération avec les mises en eau partielles du barrage de Meuveleux, l'accélération des travaux de l'autoroute à la Yaoundé, Yaoundé-Simalène, et que dire des autres projets inscrits dans le plan triennal d'action. En suivant cette édition de l'information, nous rendons dans la région de l'ouest du Cameroun, où au nom du couple présidentiel, le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandi, a remis aux représentants des familles sinistrées de la catastrophe de Nguaché dans le 3e arrondissement de Bafoussam, des denrées alimentaires, du matériel de couchage, des médicaments et des réserves d'eau. Il s'agit là d'un don du président de la République et son épouse, Madame Chantal Biya, donc qui a été remis à la place des fêtes de Bafoussam. Les précisions de Praxet Toulou et de Herbert Kouamou. Afin de les accompagner dans les sites provisoires de recasement identifiés dans la ville de Bafoussam, le couple présidentiel Paul et Chantal Biya, à travers le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandi, a remis aux représentants des familles sinistrées de la catastrophe de Nguanche 4, bloc 6, dans l'arrondissement de Bafoussam 3. Pour se déplacer, il vous faut des matelas, il vous faut des couvertures. Il vous faut un kit sanitaire, donc les savons, les détergents. Il vous faut l'aide alimentaire et des médicaments. Donc voilà pourquoi le président de la République a pensé que c'était nécessaire que le ministre se déplace pour apporter ce grand geste du couple présidentiel aux sinistrés. Le chef d'État, le président Paul Biya, est le père de la nation qui est proche des Camerounais. Le président de la République, chaque minute de sa vie, chaque heure de sa vie, chaque jour de sa vie, chaque semaine, chaque mois est entièrement consacré pour la recherche du bien-être pour le Cameroun et pour les Camerounais. Des denrées alimentaires de première nécessité, du matériel de couchage, des médicaments et des réservoirs d'eau qui seront ravitaillés par les soins de la communauté urbaine de Bafoussam. Il s'agit de 8 produits. Chaque famille recevra ici 2 matelas, 3 couvertures, 4 seaux de toilette, 10 bouteilles d'huile ou 10 litres d'huile, 5 kg de sucre, 25 kg de riz, 20 morceaux de savon, 20 boîtes de maquereau, 3 couvertures,
Et par-dessus tout cela, le couple présidentiel a mis à la disposition de ces personnes déplacées suite à la catastrophe des réservoirs d'eau. Un geste du couple présidentiel bien accueilli par les populations sinistrées de Nguache qui plaident pour une accélération du processus de recasement. Ça nous fait vraiment plaisir. Tout ce que nous pouvons attendre maintenant, c'est loger les enfants. Si le recasement pouvait aussi aller vite que ça, vraiment nous devons être totalement satisfaits. Mais déjà, je dis merci beaucoup à M. le Président de la République pour ce geste qu'il a fait pour nous. Je suis réconforté. Vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour nous. Nous sommes contents. Notons que ces dons viennent se greffer à la dotation de 200 millions débloquée par le couple présidentiel en faveur des sinistrés de Nguache. C'est désormais la question à plusieurs inconnus. Où est passée la stèle de feu Françoise Fonning, érigée dans une rue qui porte désormais son nom au quartier Bépanda? L'œuvre est introuvable depuis plusieurs jours. Certaines indiscrétions parlent d'une colère familiale qui aurait donc généré cet acte de vandalisme. Jean-Germain Yedna et Étienne Monté reviennent sur cette actualité. Érigé sur cette rue, donc de plus de 3,5 km, qui va de l'entrée Bépanda, non loin de son domicile, jusqu'au lieu dit rond-point, station-service Bokom, la stèle de Françoise Fonning est portée disparue. Inaugurée jeudi dernier par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, en mémoire de l'ex-maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, d'œuvre d'art qui a apporté une autre coloration dans cette rue qui porte désormais son nom, Françoise Fonning Tchopning, est introuvable depuis quelques jours. Oui, de prime abord, je voudrais dire que j'étais ravi de voir ce monument-là, de cette grande dame de la nation. Mais du premier coup, je me suis rendu compte que c'était fait d'une façon fragile, plus particulièrement l'image. Parce que l'image était certes frappant, beau, mais apparemment c'était fragile. Donc, de premier vu, je me suis dit que ça ne mettra pas long. Et je n'ai pas été étonné ce matin de voir que l'image n'était plus là. Et selon certaines indiscrétions, de vives tensions entre les enfants de la défunte qui ont précédé la cérémonie d'inauguration de la dite stèle par l'édile de la ville seraient pour beaucoup dans cet acte de vandalisme. Peut-être quelqu'un aurait pu casser, peut-être, parce que Mme Fonny n'avait pas seulement des admirateurs, elle avait aussi certainement des détracteurs et peut-être il y a des personnes qui ne sont pas contents de voir ce monument. Mais je pense que ce monument a bel et bien sa place ici. Mais il faudrait que ceux qui ont pensé à réaliser ce monument puissent réfléchir davantage pour faire quelque chose de plus durable, quoi. Et l'un de ses enfants, Salomon Tchopning, initiateur du projet, aurait déposé deux plaintes contre inconnus. L'une au niveau de la brigade de gendarmerie de Bépanda et l'autre au commissariat de sécurité publique du 7e arrondissement. Les cours ont bel et bien repris ce mercredi 6 novembre 2019 au lycée bilingue de Bonassama dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, après la bavure d'un homme en tenue qui a infligé une gifle au censeur de cet établissement. Le sous-préfet du 4e arrondissement de la ville de Douala est descendu au sein de cet établissement accompagné du délégué départemental des enseignements secondaires pour l'Ouvouri, deux personnalités qui sont allées reconforter le corps enseignant. À leur suite se trouvaient nos reporters Jean-Germain Yedna et Raoul Ouattet. Ambiance studieuse ce mercredi 6 novembre 2019 au lycée bilingue de Bonassama à Douala, 24 heures après l'incident survenu dans ce campus scolaire.
des cours ont repris normalement dans cet établissement. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e et le délégué départemental des enseignements secondaires du Vouri sont descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation et galvaniser le personnel administratif et enseignant du lycée bilingue de Bounassama. C'est de reconforter, n'est-ce pas, le moral de tout le personnel enseignant, de tout le personnel administratif, madame proviseure en tête, pour que tous puissent s'atteler à vaquer normalement dans leurs services, dans leurs actions, et pour que règne désormais, n'est-ce pas, la paix au lycée bilingue de Bounassama. C'est des comportements très répréhensibles. Je pense que les responsabilités seront établies puisque les enquêtes sont à jour. Nous avons pris la mesure et évidemment, la hiérarchie sera informée sur les tenants et les aboutissants. Mais ce qui est important, c'est de rassurer la communauté éducative du Vouré, du littoral et même du Cameroun que tout est rentré dans l'ordre au lycée bilingue de Bounabéry. Parmi les victimes de la barbarie de cet homme en tenue, Madame Mbok Mbok Delphine Désiré, née elle, de censeur du lycée bilingue de Bounassama, revient d'un centre hospitalier où elle a été admise après avoir été bousculée par ce militaire zélé, par ailleurs parent d'élèves. Il était aux environs de 8 heures, nous étions au portail du lycée faisant entrer les élèves et le monsieur a garé, une élève est descendue de la voiture. J'ai demandé à l'élève d'aller courir à partir du poteau jusque dans sa salle de classe parce que c'est ça la règle pour les retardataires dans notre lycée. Ce que l'élève a fait sans causer problème. Pendant que l'élève s'exécutait, le monsieur est sorti de la voiture pour nous demander pourquoi on fait courir un élève et est-ce qu'on sait qui il est. Il est un militaire qui vient du sud-ouest, il est en fonction au sud-ouest et que c'est lui qui paye l'école de l'enfant. Au départ, je comprends comme si c'est un parent qui est venu payer l'école. J'essaie de lui dire que non, ne retenez pas les élèves à la maison, même si vous venez payer l'école, laissez-les venir à temps et vous restez arrivé à votre heure payer l'école. Il a continué à nous insulter, idiots, imbéciles et tout le reste. C'est là où mon autre collègue censeur vient donc lui dire, mais l'enfant s'y habite tout près de l'école. Ça fait... Oui, et... Arrive donc le président de l'APE et le monsieur Interpéqué, notre collègue, qui essaye de calmer de part et d'autre la situation. Pendant ce temps, moi, je suis dans la mêlée, disant aux gendarmes, mais vous êtes déjà dans le campus, mettez-vous hors du campus. C'est pendant qu'on l'arrête donc comme ça qu'il m'envoie la gifle, que j'essaie d'esquiver. En esquivant, ça ramène mes lunettes au sol et ça me prend le bras. Des enquêtes en cours vont établir les responsabilités et le coupable sera sévèrement puni, a rassuré le nouveau patron de l'arrondissement de Douala 4e. Parlons à présent de l'aménagement de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Une mission d'étude du ministère du Développement Urbain et de l'Habitat s'est rendue au Sénégal du 18 au 23 août dernier. Mission d'imprégnation et les responsables de la dite mission de retour du Sénégal ont rendu leur copie à Célestine Kétia-Cortez à Yaoundé, ministre du Développement Urbain et de l'Habitat. C'était en présence de nos reporters Jean-Oscar Liborque et Mohamed Essoumba II. C'est une rencontre de restitution de la mission d'échange et d'études de la délégation camerounaise qui a séjourné du 18 au 23 août dernier au Sénégal. Cette mission, constituée des responsables des ministères, des partenaires au développement engagés dans l'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène, ainsi que les élus locaux des arrondissements traversés par cette autoroute. Et parmi eux, le maire de la commune d'arrondissement de Fou, Roger Bilinga, expliquant en quelque sorte le contenu du rapport et ses recommandations. Mais c'est un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de mettre sur pied le corridor, l'aéroport international Simalène. Il s'agit de certaines modalités, tant juridiques qu'autres,
pour accompagner ce projet. La mise en valeur des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène devrait être et symboliquement présenter la physionomie du Cameroun. Le ministre Célestine Kétia-Courtès du Mindu porte là une maîtrise du développement spatial des communes traversées par cet ouvrage qui est la vitrine, la porte d'entrée du Cameroun. Je me félicite et félicite les élus, les édiles, le délégué du gouvernement et les quatre maires qui s'engagent dans une intercommunalité de s'entendre sur les projets à réaliser le long du corridor. Donc c'était très important que la restitution se fasse en présence de tous les acteurs et que la validation de ce rapport et des recommandations nous donne la feuille de route pour aménager le corridor de Yaoundé-Simalène. Les espérants du Sénégal qui seraient susceptibles d'être répliqués au Cameroun, mais tout en tenant compte des spécificités de chaque pays, d'où la contextualisation du rapport restitué ce jour par cette mission. C'est une image suffisamment rare pour être évoquée. Il s'agit des hommes en tenue qui manifestent, battent le pavé pour apporter leur adhésion au vivre ensemble et à la paix ainsi qu'à la cohésion sociale. Il s'agit des militaires du côté du Logone et Chari qui se sont donc mobilisés pour la paix et la cohésion sociale. C'était sous le regard de nos reporters Frédéric Moutamé et Adjé Gondji. Ils font partie des différentes forces de défense stationnées dans le département du Logone et Chari, à l'extrême nord du Cameroun. Ils prennent part à cette marche commando baptisée Marche de la paix et de la solidarité des éléments des forces de défense et de sécurité. Dans les rangs de ce fort déploiement, l'on retrouve les éléments de l'armée de terre, du bâton d'intervention rapide, BIE, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des douanes camerounaises, de l'administration pénitentiaire. Quelques soucis avec cet élément, on y reviendra dans nos prochaines éditions spécialisées sur cette mobilisation des hommes en tenue pour manifester leur adhésion aux idéaux de paix et de stabilité du Cameroun. On en vient à l'actualité hors de nos frontières à présent pour parler du Nigeria, où la police nigériane a donc libéré 259 personnes d'une maison d'arrêt de correction islamique dans le sud du pays. Précision, Africa News. La police nigériane a découvert une nouvelle maison de l'horreur dans le sud-ouest du Nigeria. À l'intérieur du centre de redressement islamique, près de 259 jeunes garçons étaient enchaînés, torturés et soumis à toutes sortes d'abus sexuels. Les pensionnaires secourus mardi ont dénoncé leurs conditions de vie dans la maison de correction islamique. Chaque jour, nous avions droit à un repas. Si vous voyez ce que nous mangeons, même si vous le donnez à votre chien à la maison, il ne pourra pas le manger. Quand je suis arrivé ici, les trois premiers jours, je n'avais rien pu manger. Et au fur et à mesure que la faim m'envahissait, je n'avais rien pu faire d'autre que me résigner à ce rythme-là. Depuis qu'ils m'ont amené ici, mes parents sont venus me chercher. Mais ils ont dit à mes parents de payer 1 million de naira, environ 2700 euros. Et depuis, ils ne sont plus revenus vers moi. Plus d'un millier de personnes ont été libérées de ces centres au Nigeria au cours de ces dernières semaines. Nous parlons à présent de l'actualité toujours hors de nos frontières, direction cette fois-ci le Burkina Faso où s'est tenu un colloque en vue de mobiliser des personnes autour des questions sécuritaires. Les précisions sont d'ailleurs contenues dans cet élément qui porte l'estampille de nos confrères d'Africa 24. Le colloque international de Ouagadougou se tient sur le thème « Processus de réconciliation nationale et cohésion sociale dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, rôle et responsabilité des femmes leaders ». Un thème dont la pertinence n'est plus à démontrer pour les pays du G5 et pour le Burkina en particulier, qui depuis 2015 fait face à d'énormes défis sécuritaires. Les femmes en particulier sont, nous le savons, au cœur de la problématique. Elles y sont car elles sont les mères des victimes, les consolatrices des orphelins, les compagnons d'infortune des déplacés
et les garantes des relations sociales. L'implication des femmes dans la lutte contre le terrorisme permet d'avoir une meilleure analyse du contexte. Le colloque se veut le lieu de mutualisation des expériences diverses du vivre ensemble en vue de la réconciliation dans les pays de la bande sahélo-sahélienne. Dans certaines régions du monde et d'Afrique, les femmes ont été utilisées de gré ou de force par les groupes extrémistes comme bombes humaines pour commettre des attentats. Les processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale ne peuvent donc être conduits sans tenir compte de leur vision, de leurs attentes et de leur voix. Le rôle des femmes ne saurait se limiter à leur statut de victime des crises et de violences. Les femmes sont en général des agents de changement avérés et peuvent influencer le cours des événements et les décisions politiques. Depuis le début de l'année 2019, le Burkina Faso a vu le nombre de déplacés internes se multiplier par 5, soit plus de 500 000 personnes affectées par la situation sécuritaire. Face à ces conséquences dramatiques, la réconciliation reste la chose la mieux partagée pour les Burkinabés. Elle s'impose, selon le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Ashkoun, comme le rempart premier pour la prévention de la violence, la cohésion, la sécurité et le développement. En sport à présent, le coach Libby Thomas, limogé de ses fonctions de sélectionneur adjoint des U17 du Cameroun. La décision a été rendue publique ce mercredi par le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo-Ndioya. Précisions au bel Apollinaire Mbon. C'est à travers un communiqué signé ce 6 novembre 2019 par le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo-Ndioya, que le limogeage de celui qui était jusque-là le patron du banc de touche des U17 camerounais a été connu du grand public. L'élimination prématurée du Cameroun à la Coupe du Monde au Brésil et le refus des signatures de l'acte d'adhésion à la charte des sélections nationales de football sont des raisons avancées par la Fédération camerounaise de football pour justifier la mise à l'écart du coach Libby Thomas. Mais au-delà de ces raisons, la décision prise par Seydou Mbombo-Ndioya semble ne pas être une surprise pour bon nombre d'observateurs avertis du football camerounais qui avaient déjà vu quelques signaux. Depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie, les rapports entre le coach et la Fédération camerounaise de football étaient devenus très tendus. Et alors que l'on croyait que ce dernier serait éjecté de son poste avant l'échéance du Mondial au Brésil, la FECAFOOT a décidé de le laisser partir avec les gamins. Mais avant leur départ, le patron du banc de touche des U17 avait fait une sortie médiatique pour décrier la lenteur de la Fédération camerounaise de football à mettre en stage les enfants alors que l'on était déjà à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde des U17 au Brésil. Libby Thomas a dû faire face à un autre problème, celui de la convocation des joueurs binationaux qui avaient été appelés pour renforcer son effectif avec lequel il était parti du Cameroun. Et à quelques jours de rendre publique la liste définitive des joueurs retenus pour le mondial, Libby Thomas a saisi par voie de correspondance le secrétaire général de la FECAFOOT pour lui demander quelle position adopter vis-à-vis de ces binationaux, étant donné que le décret présidentiel de 2014 réorganisant les sélections nationales ne permet pas à ces binationaux de jouer avec les U17 camerounais. Le président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo-Ndioya, avait répondu lui aussi par voie de correspondance en lui demandant de travailler avec les gamins sans tenir compte des restrictions. Sauf qu'en rendant finalement publique sa liste, il avait mis à l'écart les 6 binationaux qui étaient dans la tanière. Et certains journalistes, dans leur titraille, s'étaient posé la question de savoir si Libby Thomas n'avait pas signé son arrêt de mort. C'est donc la fin de parcours pour l'ancien lion indomptable qui quitte la sélection U17 avec le bilan d'un trophée remporté lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie. Le communiqué qui limoge Libby Thomas de son poste d'entraîneur adjoint limoge également l'ensemble de son staff technique et médical. Championnat d'Afrique des Nations édition 2020. Le Cameroun sera bel et bien le pays hôte de la compétition. L'assurance vient du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekombi, qui a par ailleurs dévoilé la date et les villes du Cameroun qui sont retenues pour abriter cette compétition. Zobel Apollinaire Bon.
Trois villes sur cinq visitées au départ par les émissaires de la Confédération africaine de football ont été retenues pour ce rendez-vous. Il s'agit de la ville de Douala qui abritera deux pôles et dont le stade Japuma et celui de la relégation de Bépanda serviront de cadre aux différentes rencontres. La ville de Yaoundé et celle de Limbé abriteront une poule chacune. Garoua et Bafoussam n'ont pas été sollicités pour cette compétition. À Garoua, le retard accusé dans la réalisation de certains chantiers est la cause réelle de cette mise à l'écart, alors que la ville de Bafoussam, elle, pêche par le mauvais état de ses routes. La compétition se déroulera du 4 au 25 avril 2020 et va mettre en vitrine les joueurs locaux de 16 nations africaines. À 5 mois du début des hostilités, les préparatifs vont bon train. Le logo de la compétition a été dévoilé. La mascotte et l'hymne du championnat d'Afrique des Nations seront connus dans les toutes prochaines semaines à l'issue du concours lancé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle-Kombi. Concours qui concerne les artistes plasticiens et musiciens camerounais des deux sexes et dont la date limite de recevabilité des dossiers de candidature est fixée au 15 novembre prochain. Entrée sur son pied droit. Et c'est donc avec cette bonne nouvelle pour le Cameroun, qui est par ailleurs un test miniature avant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021 ici au Cameroun, que nous mettons un terme à cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.